Donc, salutations, cher youtubeur, c'est Valentstep. Donc, ça doit être mon épisode 32. Et donc, bah là, je viens juste de reprendre juste après mon épisode 31. Où, donc, j'ai trouvé Blaze, donc mon premier Nexus Mod installé sur Fallout New Vegas. Et j'ai trouvé mes t-shirts. Et donc là, on voit, c'est ce que je vous ai dit. Donc là, mon perso, donc je l'ai pas touché. J'ai simplement remis pour mon épisode 32, mon système d'enregistrement. Donc c'est reparti pour 34 minutes d'enregistrement. Et donc là, j'ai pas touché le perso. Donc au bout d'une minute, hein, je pense que le perso tourne sur lui-même. Donc là, comme ça, on la voit bien. On voit bien ma perso, donc femelle, hein, Valiant Step. Et donc avec son t-shirt Fox, il est pas mal, hein. Il est pas mal parce que ça doit apparemment, ça a l'air d'être un truc Fox un peu sur le devant là, en jaune. Donc et on voit bien en plus Blaze, un de mes deux pitbulls. Bah du coup je vais garder. Surtout que bon, je préfère peut-être en rouge plutôt qu'en bleu. En rouge là, donc c'est Blaze. Donc ça doit être Red Mudskin et donc Red Rouge et en fait Denver, il doit être au Mojave Outpost et en fait lui doit être en bleu, donc en bleu plutôt un pitbull genre bleu. Donc ça arrive hein, dans les races de chiens. En fait, par exemple dans les terriers, je crois qu'il y a des terriers irlandais. En fait le Je sais plus lequel, je sais plus si c'est. Je crois pas que c'est l'Irish Terrier ou un truc comme ça. Je crois que c'est un nom plus spécifique, mais genre un terrier irlandais, genre. Qui doit être assez proche de l'Irish Terrier, mais je ne sais plus comment il s'appelle et je crois que c'est un peu en. Mais bon, c'est en poil, il est en poil dur, hein, il est pas. Parce que là, c'est pas un terrier, c'est un pitbull. Donc. C'est légèrement différent. C'est pas le bull terrier en fait. Il y a le bull terrier, mais. Bon, bah voilà. En tout cas, Fox pour le t-shirt, ok. Donc là, on voit bien pour mon premier t-shirt. Donc, hein. Donc voilà mes petites stats. Et je vais essayer le deuxième t-shirt. Je vais essayer le deuxième t-shirt où en plus le manteau de shérif c'est quoi? C'est arme à feu plus 5, ok. Et ça doit être CHR, ça doit être le charisme. Donc le manteau de shérif il est pas mal, il y a quand même l'étoile de shérif, hein, ça fait un peu South Park. South Park, South Gate, donc c'est australienne, South Gate, Hartley, c'est australienne des années 90. Donc le manteau de shérif, il y a arme à feu plus 5. Et les t-shirts, c'est arme à feu plus 2. Arme à feu plus 5 pour le manteau de shérif. Et arme à feu plus 2 pour le t-shirt et corps à corps. Hein, c'est normal pour le t-shirt. Donc Fox Unit Shirt. Et j'avais pris autrement le NCR Shirt. On va l'essayer tout de suite. Hop, voyons le NCR shirt. Ok. Bah, à la limite, le Fox, il a l'air aussi bien, hein, parce qu'en blanc, j'aime moins peut-être. Alors, ça se trouve, il y a le fameux drapeau californien, hein, avec l'ours. C'est possible que, ouais, ça doit être, à mon avis, ça doit être ça se trouve en fait. Bah, à ce moment-là, je vais plutôt remettre le Fox. J'aime bien, il est plus foncé, et avec le truc jaune devant, c'est pas mal en fait, il est pas mal. En fait, ils doivent changer le pantalon en même temps, quoi.
C'est-à-dire qu'apparemment, ça change le pantalon en même temps. Ouais, du coup, le pantalon, ouais, il est pas mal. Le pants, le monkey pants. Alors, voyons. Avec Blaze. Ah, ouais. Alors là, petite erreur de ma part. J'ai retouché ma souris. Et donc, hop. Allez, attendre une petite minute. Faut pas toucher à la souris. Je voulais simplement remettre le curseur sur Blaze, le chien. Et en fait, bah, erreur quoi. Il faut pas toucher à la souris, parce qu'autrement c'est comme si on recommence à jouer le perso et ça ne. Donc du coup, on va pas avoir le petit défilé quoi. Ouais, à mon avis, ouais, ça doit être. Parce que vu qu'il est blanc comme ça par derrière, ça se trouve devant, ça va être le logo de NCR, donc New California Republic, bah, le drapeau qu'on voit quoi. Hein, le drapeau que je connais bien, je veux dire, sur ma série California, mais aussi, bah, évidemment, Californium, donc que j'avais vu sur Nemelia. C'est Nemelia qui avait. C'est peut-être sur Nemelia en fait qui. Mais en fait, bah, moi je l'avais pris, bon. Par rapport à ce que j'avais vu sur Nemelia, et en plus parce que moi j'étais un assez grand follower d'Arte d'Arte TV, donc la chaîne franco-allemande Strasbourg. Donc ouais, apparemment, ouais, apparemment ça fait un peu le genre drapeau. Donc bon bah là je vous renvoie à Fallout, enfin Gamepedia, Fallout. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est un ours. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un ours. Il y a l'ours avec le truc rouge en bas. Ouais, c'est ça. C'est le drapeau en fait de la NCR en fait. Non, je préfère le t-shirt Fox en fait. Je préfère le t-shirt Fox. Donc, je vais remettre le t-shirt Fox et puis bon, je vais me remettre en fait. On va repartir à Novak. Je vais me retéléporter à Novak. Voilà. Et puis bon, je vais aller voir Vargas et hop, c'est reparti. Du coup, mes deux modes sont installés maintenant. Tranquille. Je repars à Novak. Donc bon, c'est clair que Novak, ça, il n'y a pas photo. Hein. C'est clair que c'est la meilleure zone du jeu de toute façon, pour l'instant, à ce que je connais. Parce que de toute façon, c'est présenté comme tel. Hein. Je crois que c'est Janie, Mei. Alors du coup, moi, j'avais dû mettre Janie, Ney, en fait, sur la description de ma vidéo. En fait, ça devait être la vidéo 20 à 25 ou 26 peut-être. Peut-être la 26. Janie, alors Janie, donc Ney, moi j'ai dû écrire Janie Ney Crawford, et en fait ça devait être Janie May Crawford. Et ça tombait bien parce qu'en fait j'avais dû la faire tout à la fin du mois de mai. Donc là on doit être le 6 juin, je pense qu'on est le 6 juin aujourd'hui, mercredi 6 juin.
Mais en fait, Jenny May Crawford, parce que ça doit être Jenny May Crawford. Et donc, elle est à Novak. Et c'est ce qu'elle dit. En fait, je pense qu'elle dit que c'est un petit oasis dans les zones de New Vegas, quoi. Donc là, c'est bon. J'ai remis mon Fox Unit Shirt. Bah, c'est clair que je vais garder. Hein. C'est clair. Hein. Voilà. Bah, le manteau de shérif, il est bien. Il est cool. C'est sûr que ça rajoute plus 3 parce que c'est plus 5 en arme à feu. Bon, là, je vais baisser un peu. Mais bon, bah, là, ça me rajoute une arme au corps à corps. Donc, à la limite, ça peut aller. Puis, j'ai quand même plus 2 en arme à feu. Et puis, bon, esthétiquement, c'est vrai que bon, ça change. Ça met un peu... Voilà, surtout que bon, je veux dire, Nevada, Californie, c'est vraiment les zones à t-shirt, hein, c'est clair. Hein. Donc, hop, je repars à Novak. Novak. En vrai, ça serait cool que je puisse obtenir la quête parce que Boone, il faut le choper, il faudra que je le chope quand il est. Donc nous revoilà à Novak. Prudence, ils ont des espions partout. Ouais, ah ouais. Bah, là le vieux. Ah l'aboyeur. Ouais, je l'ai vu ça, je l'ai vu en fait. Noonan l'aboyeur. Ok. Bah donc on va lui. C'est ça, je l'ai vu sur le Starter Wiki, donc Fallout Wiki. Je ne vais pas me mettre à parler maintenant. Donc ouais, ils ont des espions partout. Ok, ouais, bah justement, ça fait un peu Californium. C'est donc Californium, donc le truc, donc RTTV en fait sur le système de Philip K. Dick, l'écrivain américain, qui avait dû se suicider dans les années 80. Et en fait, donc Californium, bah c'est donc on voit dans Californium, on voit en fait dans l'appartement de Philip K. Dick, on va dire ça comme ça, en fait style années 80, hein, style années 80, 70, 80, etc. Et donc on voit en fait le drapeau de la NCR, hein, de la New California Republic. Donc c'est pour ça, c'est lié en fait à Fallout en fait. Et c'est lié à la série Fallout par en fait la New California Republic, quoi. Ouais, c'est un peu les réflexions de Noonan l'aboyeur apparemment, parce que c'est l'histoire. Alors donc c'est Philip K. Dick, donc c'est un writer, donc un écrivain, et en fait c'est donc il nous prépare, il y en a un qui prépare l'histoire de, en fait c'est l'histoire d'un type en fait d'un gars qui prend les éboueurs pour des extraterrestres. Donc ouais, il y a les espions un peu. Les espions partout, donc... alors, je ne veux de mal à personne qui essaie de vous faire parler. Ok. Malédiction, l'aboyeur, tu t'es encore fait avoir. T'as laissé croire que tu savais quelque chose. Maintenant, on ne va plus te laisser tranquille. D'accord, vous m'avez eu. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Parce qu'ils savent bien que je n'aboie pas qu'à la lune. Ce que je raconte, ça les prend à la gorge. Et car je dis vrai. Ces charlatans peuvent bien déblatérer à propos du dard de rat scorpion qui m'a percé le crâne. Je sais ce que je vois. Je suis pas fou. Ouais, charlatan, donc Peddler Sadler. Alors, j'avais dû déjà le mettre. Qu'est-ce qui se passe en ville? Il s'est passé de drôles de choses du côté du corral des McBride. Apparemment, chaque nuit, une de leurs bêtes meurt de causes non naturelles. Et chaque fois, on retrouve des trous partout dans son corps. L'œuvre du Chupacabra. Le vampire du cheptel, qu'il dit l'aboyeur. Mais personne l'écoute.
Eux, ils ne parlent que des trous avec les balles dedans. Alors, l'aboyeur dit, on a un chupacabra avec une arme automatique. Et personne ne dit plus rien, parce qu'il voit que la situation est délicate. Les gens vous diront sûrement qu'ils ont vu des ghouls près de l'usine des fusées. Ce sont des foutaises, du sensationnel monté de toutes pièces par des ploucs superstitieux qui voient des fruits de leur imagination. Des fantômes communistes qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ils essaient de voler nos fusées pour aller repeindre la lune en rose et dessiner une tête de Lénine dessus. J'en ai vu un disparaître et réapparaître sous mes yeux. Et bien que j'ai un esprit très scientifique, je dois avouer que j'ai fermé les yeux un bon moment à cause du choc de voir un fantôme coco, quoi. Je me suis retrouvé nez à nez avec un chupacabra, un suceur de chèvre. J'enquêtais pour savoir pourquoi ce gecko me cachait son trésor. C'était le plus horrible chupacabra que j'ai jamais vu. Et mauvais en plus. Il avait deux têtes et des dents jusque par terre. Enfin, pour ce que j'en ai vu, hein, parce qu'il était invisible quand il s'est approché de moi. Il avait un tromblon qui tournait et qui envoyait des vraies balles qui sortaient d'un sac à dos. J'avais jamais rien vu de pareil. Il est passé à côté de moi en m'ignorant. Il s'engueulait avec quelqu'un. Mais je n'ai vu qu'un seul chupacabra. Alors, je suppose que le deuxième était invisible aussi. C'est juste qu'il était plus invisible que le premier. Non, ok. Si on vous demande, vous ne m'avez jamais vu. Hop. Ouais, alors donc, ce qui serait, ce qui pourrait m'intéresser, ce serait en fait d'aller parler à Boone en fait, parce qu'il doit donner une quête. Alors je sais pas si c'est lui qui est actuellement là, ça va être soit Boone soit Vargas, donc on va voir. C'est Vargas. Apparemment, ouais. C'est Vargas. Donc, Vargas, je lui ai déjà parlé, je pense. Enfin, je lui reparlerai, mais je pense qu'il m'a déjà laissé un système de quête. Alors, vous vous en sortez avec les ghouls ? Je compte voilà, sur vous. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Ok, d'accord. Et bon, ça, il suffit que j'aille vérifier dans mon journal de quête. Ouais, à plus. Quête. Voler avec moi. Ça, c'est la quête, en fait. Voilà. Ça, c'est la quête, en fait. C'est ce que je vous disais hier.
C'est la quête que m'a donné Vargas, et c'est ce que j'avais vu en fait sur Super Solus en français et sur le site plus développé évidemment en anglais, donc IGN, et donc où c'est Fly machin truc mush, donc Fly en anglais. Donc allez au site de Repcon à l'ouest de Novak, enquêter sur les rumeurs de présence de ghouls. Et à la limite, ça se trouve, il faut que je fasse ça avant. Parce que en fait, ça se trouve après, c'est quand j'aurais fait ça pour lui, ça se trouve que Vargas, du coup, m'expliquera plus de trucs, ça se trouve. Ça se trouve, il faut faire sa quête, voler avec moi, donc Fly qu'on voit sur IGN, ou voler avec moi, et qu'on voit là, et... Alors c'est bête, j'aurais bien aimé voir Boone, mais bon, on débloquera sa quête, parce qu'il doit, j'avais vu sur les youtubeurs en fait que j'ai dû en fait rebloguer sur mon blog Tumblr, donc j'ai dû en rebloguer 4 ou 5 des youtubeurs anglais pour la plupart, et en fait j'ai vu sur un d'eux en fait donc que j'ai dû rebloguer sur mon blog Tumblr, qu'en fait il y en avait un qui parlait donc à Boone dans le dinosaure et que Boone lui débloquait une quête également. Donc bon, mais bon, le perso principal là, c'est en fait, je pense que évidemment Vargas est plus important que Boone en fait. Mais voilà quoi. Autrement, ça se trouve, je sais pas si c'est pas là. Alors là, il faudrait que je me renseigne sur Fallout Wiki, des trucs comme ça, Starter Wiki, Fandom. Je sais pas si on peut pas acheter un de ces studios en fait dans le motel là. Donc là, ça doit être Jenny May Crawford. Ouais, ça doit être elle, Jenny May Crawford. Jenny May Crawford. J'espère que tout est à votre goût. Repcon. Trouver de la nourriture. Pas le plaisir de vous connaître. Oh, où ai-je la tête? Je cherchais tellement à faire bonne impression que j'en ai oublié de vous dire mon nom. Je m'appelle Jenny May. Je m'occupe des gens ici au motel, tant qu'ils ne font pas d'ennui. Alors, j'aimerais louer une chambre. Eh bien, excellente idée. Je vous ferai un bon prix et vous pourrez rester tant que vous voudrez. Du moins, jusqu'à la haute saison. Ça vous va? Ok. Donc, en fait, je peux louer une chambre, en fait. Hein. Je peux louer une chambre. Donc, bon, à la limite, je vais lui louer une chambre, hein, je pense. Je suis contente que vous séjourniez chez nous. Votre chambre sera en haut, la première du côté de la réception. Voilà votre clé. Si je peux faire quelque chose pour égayer votre séjour, dites-le moi. Clé de chambre dino, d'accord. Méfiez-vous des étrangers. Objet. Divers. Peut-être dans les messages. D'accord. Alors, ok. Aide. Euh...
Où est la clé? On a filé une clé. Porte-clé. Voilà. Clé de chambre Dino Delight. Cool. Bon. Alors, parlez. Où allez-vous, ma chambre? J'espère que tout est à votre goût. Alors, Repcon. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Quel est le moyen le plus rapide de quitter ce dépotoir? Méfiez-vous des étrangers. Alors, elle m'a dit en haut, je crois. Juste au-dessus de la réception. Donc ce serait celle-là, en fait. Alors, donc là, ok. Porte vers chambre de motel. Verrouiller, utiliser clé, ok. Ouvrir, porte vers chambre de motel, c'est en rouge, donc ça doit pas être la mienne. Ouvrir, porte vers chambre de motel. Mais là, ça doit pas être à moi, mais je sais pas ce qu'il y a là-dedans, du coup, dans celle-là, dans cette chambre. Ok. Rossizac. Ouais. Non, je voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Alors, je sais pas ce que j'ai pris le capteur, là, je sais pas trop grave. Bon, non, c'est pas grave, il n'y a pas l'air de faire grand-chose. Non, je vous en supplie, ne me tuez pas, je vous jure. Je vais... Mais attendez un peu. Vous travaillez pour Monsieur Bishop? Non, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Désolé, c'est juste que vous êtes... son genre, vous voyez. Vous portez les stigmates de l'explorateur endurci des terres dévastées. De New Reno. Il me semble vous voir vu, vous avoir vu là-bas. Pourquoi ce monsieur Bishop vous en voudrait-il? Ah, vous avez entendu parler de moi? J'étais la tête d'affiche au Shark Club. Les gens payaient des centaines de capsules pour me voir chanter. De New Reno jusqu'ici. Pourquoi? D'accord. On voit que vous connaissez pas Bishop. C'est pas un boss comme ceux d'ici. Il connaît les terres dévastées comme sa poche. Il aime s'y promener. Je savais que si je ne partais pas très loin de New Reno, il me traquerait comme une bête. Eh bien, vous voyez, c'est un énorme malentendu. Monsieur Bishop me devait beaucoup d'argent. Et vous savez, c'est un homme très occupé. Donc je me suis dit que je pourrais me servir moi-même. Un patron de casino. Je me suis dit qu'il faudrait un peu de temps avant qu'il remarque son erreur de comptabilité. Il aura le temps de se calmer.
J'ai aussi un peu... comment dire... ramonné sa fille. Ou un petit peu. Ouais. Alors... c'est dur, bonne chance. Si j'entends parler d'un boulot de chanteur, je vous préviendrai. Mais ça, c'est démagogie pédagogique. C'est-à-dire que bon... est-ce qu'un père aime qu'on ramone sa fille ou est-ce qu'un père n'aime pas qu'on ramone sa fille? Donc démagogie, pédagogie, quoi. Ça doit dépendre des systèmes. Alors, c'est dur, bonne chance. Si j'entends parler d'un boulot de chanteur, d'accord. Merci. D'accord. Et ok. 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 Ouais, ouais, à plus tard. On verra après. Ouvrir vers chambre de motel, ok. Bon, là, je sais pas à qui elle est, celle-là. En tout cas, la mienne, ça doit être celle qui est en fait avec la clé là-bas. Alors, ouvrir. Vers chambre de motel, verrouiller, utiliser clé, ok. Voilà. Voilà ma chambre de motel. Ok. Bon, même une salle de bain. Alors, vide, ok. Blaze. Vestiaire. Cartouche, ok. Bon, évidemment, je peux dormir. Bombe sucrée, coffre-fort, ok. Le bureau, ok. Et il y a même la radio. Bon, bien parfait. Bon, bah. Voilà, je pense que à la limite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sauvegarde. Parce que là, je suis à 33,19. Donc ça va être la 36. Chambre de motel. Voilà. Bon, bah, vous voyez ? Temps de jeu 0,24. Voilà. Chambre de motel, ok. 33,47.